Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Myriam. Tu t'es fait quoi ici? Elle a perdu une dent, c'est grave drôle. Chocolat. Ouais, je pense qu'elle est venue grave vite. Elle m'a fait Yacine, regarde ma dent. Je vais essayer de jeûner après des années où je ne pouvais pas jeûner avec mes problèmes d'estomac. En gros, ceux qui savent pas, c'est que quand j'ai eu 21 ans ou 22 ans à peu près, j'ai attrapé une maladie à l'estomac qui fait que ça m'a handicapé ma vie entre guillemets. Et du coup, c'est très dur pour moi de jeûner. Mais là, cette année, ça allait un petit peu mieux. J'ai décidé d'essayer de jeûner pour voir ce que ça donne. Aujourd'hui, c'est moi qui vais régaler l'écran parce qu'à chaque fois, c'est l'écran qui me régale. On va ouvrir un big colis. Là, on commence par ça. Regardez, déjà, ça a été quoi, incroyable. C'est un bas de Paris Saint-Germain. Wow. Michael Jordan. Paris Saint-Germain, grave, grave. Est-ce que c'est ma taille ou pas? Il est grave. Mais ça me va, les gars, ça me va. Ouais, mais c'est le ramadan, c'est le mois du partage. Merci, ma soeur. C'est quoi ça encore? Encore un peu, ma maillot. Oh là là. Et là, pour compléter les habits. Ça, c'est l'ensemble. T'as vu ça? Ouais, j'ai l'ensemble. Mais j'ai fait quoi pour avoir tout ça, Myriam? Eh, pourquoi vous criez? J'ai des nouveaux affaires. Hier, ils sont pas incroyables, mes nouveaux affaires. Mais merci, c'est plutôt cool. Mais comment ça, merci? Mais Myriam! Bah, c'est le grand ref, on peut rien dire. Pour pareil avec lui, hein, reviens! Vas-y, reviens! Regardez le maillot. Jordan, c'est incroyable. C'était pour moi là-bas, espèce de voleur. Mais propose un truc, on va faire deux duels. Celui qui gagne les duels, il remporte la tenue. J'hésite entre la balle de la Ligue des Champions et la balle de l'Euro. Eh, tu vas pas le garder longtemps ton survêt, t'inquiète même pas. En vrai, Paris, ils vont gagner la Ligue des Champions peut-être cette année, donc je prends la balle de la Ligue des Champions. Ok, c'est parti. Non, on touche pas, si on touche ça compte pas. Pied gauche, il veut tirer pied gauche. Oh là là. Le survêt il va être à moi. Il est déjà bien ton survêt Chelsea. Non mais smahali, hein, si je mets des plus gros buts que toi, ils sont à moi les sorties. Ok, Yassine qui accélère. Regardez comment il prend son temps. Le petit dribble. Ok, lui il est nul. C'est pour s'échauffer, c'est un but, regardez le deuxième. Moi j'ai tiré du gauche hein. Non, tire du gauche, tire du gauche. Je vais mettre un meilleur but que toi, comme ça le truc sera à moi. On continue avec la Ligue des Champions. Vu que monsieur Yassine ne veut pas se laisser faire. C'est le malin, j'espère il rate. Rate. Vous allez me dire, oui, Younes, c'est pas en lucarne, mais je vous promets qu'un goal ne les arrête pas. Attention, Yacine. Crochet. Mais c'est Dembélé, c'est pas Yacine. Ok, il est du gauche. C'est mieux que toi. Vous allez voter dans les commentaires, Yacine ou Younes, qui a mis les plus beaux buts. Et retenez bien sa première frappe toute nulle. Mais passe-moi la main. Calme. Lâche. Regardez ce que je mange. T'as pas encore gagné. Il y a un quiz islam sur ce téléphone. Vous allez choisir votre sujet préféré. Si vous faites un sans faute, vous prenez les 10 balles. Laquelle de ces femmes a une sourate à son nom? Marie, Fatima, Asia ou Khadija? Marie. Ah ouais? Ouais. T'es sûr? En plus, ton prénom, c'est Marie, Myriam en français. Ouais. Ok, Marie, validé. Ok. Quelle sourate est recommandée de lire le vendredi? Les abeilles, la constellation, le royaume ou la caverne? Comment s'appelle sourate? Comment ça s'appelle déjà? El-Kafiroun. El-Kef. La caverne. Du coup, c'est nous dans la bonne réponse. On valide. Ok, la caverne, c'est bon. Ils vont prendre mes 10 balles. Combien y a-t-il de versets dans sourate Al-Fatiha? Oh, ça c'est dur. 5, 6, 7 ou 8? Moi, soit 5, soit 7. Non, Alhamdoulilahi Rabbil Alamin. 7. Ok, 7. C'est moi qui ai dit 7. Boum! C'est moi qui ai dit 7. Oh, les boss, ils sont trop. Quelle est la plus courte sourate du Coran? Sourate El-Ikhras, El-Asr, El-Kawthar ou Quraysh? El-Ikhras. C'est quoi El-Ikhras? Il n'a pas été El-Kawthar. Ah non, El-Kawthar. Ok, El-Kawthar. C'est validé. Genre, vous savez faire des feuilles de briques, vous? C'est plus elle qui. Moi, je sais pas trop faire, c'est elle qui sait faire. Vas-y, montre-moi pour voir. Mais t'as je sais pas quel âge, c'est elle celle qui sait faire la honte. Tu prends un petit peu de pâte. Ok, les gars, ça, c'est la farce qui a été faite par ma mère. C'est pas de la viande hachée, c'est du poulet. C'est pas la viande hachée, c'est de la. C'est du poulet. Du poulet avec du fulfel. C'est pas du fulfel. C'est pas du kangourou, non. Mais toi, t'es vraiment. C'est du poulet avec de la vache qui rit et du fulfel. Voilà, là, on a assez de doses parce que vous allez comprendre. Des oignons. Là, tu prends comme ça. Donc là, tu suis. Ouais, je suis. Là, tu plies de ce côté. Ok. Faut pas qu'il y ait de trucs bizarres. Tu vois, tu plies comme ça. Comme si tu allais faire un tacos là. Ouais. Après, tu replies. Là, tu vois, ça te donne ça comme une tortilla. Parfait. Là, tu fais ça. Par contre, t'as pas été très généreuse dans la farce. Hein. Ça. Parce qu'en fait, les feuilles là, elles sont fragiles. Pas bien. Voilà. Incroyable. Vas-y, vous faites des feuilles de riz pour le ftol. Ouais. Je vais vous raconter l'histoire du prophète Saleh. Myriam, tu la connais pas? Non. Écoutez bien. Il y avait un peuple qui s'appelait les Thamoud. Les Thamoud, c'est, tu vois, nous, on est les Français. Et ben, eux, ils s'appelaient les Thamoud. Ils étaient riches, puissants, forts. Mais beaucoup plus riches que nous. Et beaucoup plus puissants et forts que nous. Ils construisaient des maisons super hautes. Et ils manquaient de rien. Le seul problème, c'est qu'ils construisaient des statues et ils adoraient les statues. Tu vois ça, j'ai jamais compris comment on peut créer des choses et adorer. Ils adoraient pas Dieu. Donc Dieu leur a envoyé un prophète qui s'appelle Saleh. Le prophète Saleh, il leur a dit, adorez Dieu, arrêtez d'adorer ces statues, elles vous servent à rien. C'est vous qui les avez créées. Ils voulaient pas écouter. C'est Saleh, arrête de nous dire n'importe quoi. On adore nos statues, on est riche, on est puissant, on craint rien. Un jour, Saleh, il les réunit. Ils étaient tous réunis, ils ont dit quoi? Si ton Dieu, il existe, fais-nous un miracle.
Tu vois les montagnes là, parce qu'ils habitaient dans les montagnes, tu vois. Mmh. Tu vois les montagnes, fais-nous sortir une chamelle. Une chamelle, c'est la femme du chameau. Et c'est impossible, dans les montagnes, il n'y a pas de chamelle, t'es d'accord? Ils demandent tous, oh Dieu, si tu existes vraiment, ça a l'air, il fait la demande. Il y a, oh Dieu, fais-leur apparaître une chamelle. Et là, une chamelle, elle sort. Et les gens, ils croient pas. Non, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Il y a un petit homme qui croit. Et donc, malheureusement, ils n'ont pas cru au message de Salih. Et Salih, elle leur a dit quoi? Dans 3 jours, vous allez avoir un châtiment terrible. Tout le monde se moque. N'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et là, les 3 jours passent. Et dites-vous, l'éclair, il vient, le ciel, il est gris et ils sont tous morts d'un coup. Ils n'ont pas voulu écouter le prophète. Tout ça pour dire que dans cette vie, si vous avez de l'argent, vous êtes fort, vous êtes riche, si tu ne crois pas en Dieu, ça va te servir à rien du tout. Moi, j'en pense que c'est vraiment dingue. Il y a plein de prophètes comme ça où ils parlaient, ils disaient à tous les peuples, ouais, croyez en Dieu, et les peuples, ils ne voulaient pas. Bah, c'est comme ça. Hein. Et maintenant, ils sont où, les ceux qui ne veulent pas croire? Ils sont tous morts et vont probablement aller en enfer. Quand tu ne crois pas en Dieu, Dieu ne te pardonne pas, c'est mort. Bon, Myriam, j'ai un petit défi à Yacine, on va voir s'il est plus fort que moi. Il n'y a que moi et Ronaldo, on sait faire ça. Tu vas voir, lui là, c'est mon meilleur pote. Il s'appelle Hamid. Celui qui fait le maximum de passes sans que la balle touche le sol, il a gagné, ok? C'est parti. 1, 2, 3, 4. Non! 4, il a fait 4. Oh, bon, les gars, je suis pas confiant. Pour l'instant, tu te sens comment pour ce jeune? En fait, ça va, j'ai de l'énergie et tout, mais je sens comme un nœud dans mon ventre. Ok, c'est bien. Et aussi, la langue, elle s'en va. Bah, ça, c'est normal, frère. Ouais, c'est vrai. 4 à battre. Ok, 4. Ok. 1, 2, 3. Ok, la dernière. 4 et 5. Et il est trop chaud. Il est trop chaud. Maintenant, c'est bon. Bien joué, je te sers la main. Vous allez me dire, mais Myriam, elle est en train de manger. Bon, en fait, quand t'es pas pubère en islam, c'est pas obligé de faire le ramadan. Du coup, elle est pas obligée de le faire. Là, elle va taper son meilleur goûter. Et là, ça te fait rien qu'elle tape ça devant toi? Franchement, là, je dis la vérité, non. Il est quoi? Il est 4h40. Moi, ça me fait un peu des émotions. Non, parce qu'en fait, moi, ça, je le mange pas d'habitude. Du coup, ça me donne pas envie. Oh là là, moi, ça me donne vraiment envie. Par contre, ça, c'est ce qu'on faisait quand on était petits. Ça, hey, ceux qui le font pas, les petits là. Les petits qui ont la caméra, mais qui font pas essayez. Ça pour rater quelque chose. Essayez, c'est incroyable ça. Eh, hey, mais attends, Myriam. J'ai pas envie, ça sert Myriam, à... aujourd'hui, t'as eu de l'école. Yacine, mercredi, elle a pas d'école. On fait comment? Oh, ça va être simple. Est-ce que t'es déter pour essayer un jour de jeûne? Ok, si vous voulez voir Myriam faire un jour de jeûne, elle essaye, mettez un max de likes, à 5000 likes, elle essaye de le faire et on verra si ça va tenir ou tu pas. Tu penses que tu vas réussir, Myriam? Facile. Ça va me faire une bonne recette bien salée. Une fois que les pommes de terre sont mises, on va rajouter des œufs. Hop. What? Ça fait pommes de terre œuf. Tu connais pas pommes de terre œuf? Si, je connais, mais c'est... qui dit que c'est vraiment fait en Algérie? Je sais pas. Ensuite, moi, par contre, je vais rajouter du gruyère comme ça, on va voir ce que ça donne. C'est frites œufs qui est fait en Algérie. Toi, ça y est, maintenant, attends le ftour, wesh. Mais c'est trop. Pris ton goûter, c'est bon, pourquoi t'attends pas après? Les crémas. Moi, je vais rajouter du gruyère, hein, parce que là, c'est la ramadan. Mais toi, tu sais grave mal cuisiner. Je rigole, c'est trop bien cuisiné. Et ta femme va être grave contente. Ma femme, je vais te laisser un message. Moi, cuisine bien. Y a pas que moi. Fais-moi des bons gâteaux et moi, je te fais des trucs salés. Tu vas lui faire ça, bah, elle va pas accepter. Tu devrais aller éplucher des pommes de terre, toi, pendant que tu y es. Ça serait bien, comme ça, on fait des frites aussi. Voilà, c'est ça qu'on veut. Y a quoi en dessous le mouchoir, Myriam? Rien. Non, vas-y, montre. Non, montre vite fait. Ouh, 17h47. On va vérifier ses devoirs. Elle dit que ça sert à rien que je corrige. Pourquoi tu veux pas corriger? Parce qu'à l'école, on corrige. Si elle voit du vert, elle va dire que j'ai triché la maîtresse. Mais tu penses que t'as bon ou pas? Bah oui. Ok, j'arrive tout de suite. Le verbe dire. Je disais, tu disais, il disait, nous disons, vous disiez, il disait. Il y a. Disons, tu parles français toi? Oui. C'est pas nous disions? J'ai dit nous disions. C'est le ramadan, hein, faut pas. Bah c'est, ça se dit, vous disiez. Oh Myriam, tu peux nous lire un peu de Coran, vu que le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. Je vais vous lire un verset de la sourate Le Tonnerre. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront le plus grand bien et aussi le plus bon retour. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que toi, si t'es un bon musulman, que tu fais tes prières à l'heure, tu te comportes bien, tu lis le Coran, obéis à Allah, et bah toi, Allah, il va t'envoyer le bonheur, la richesse, la santé. Tu sais très bien que c'est Allah qui peut faire tout ce qu'il veut. Et la mort, ça fait peur, t'es d'accord avec moi? Ah oui, ça fait très très peur. Mais il y aura des anges qui vont venir te rassurer dans ta tombe. Ils vont venir te rassurer, ils vont te dire non, mais t'inquiète pas, n'aie pas peur. C'est rien et tout, et en plus Allah il t'a promis le paradis, donc c'est vraiment une chose énorme. D'accord, ça veut dire qu'on essaye de faire le maximum de bonnes actions et Dieu va s'occuper du reste. Le meilleur moment, les amis. C'est l'heure de préparer la table. Eh, c'est important, les amis. Préparez la table avec vos parents, laissez pas vos parents tout faire et vous arrivez juste pour manger. Faut préparer la table, faut mettre la main à la pâte. Myriam, qu'est-ce que tu fais? Mets pas ça sur ta tête, tu vas la faire tomber. Une bonne pizza. Tu crois que c'est un sac de patates ou quoi? Là, comment tu te sens, Yacine, là pour l'instant avec le jeûne? Bah, en fait, moi le problème c'est pas le jeûne. Le jeûne, ça va, alhamdoulilah, ça va être ce soir. Je sais pas comment je vais me sentir ce soir parce que je vais manger. Je sais pas comment ça va réagir
guérir dans l'intérieur, mais pour l'instant, ça va comme d'habitude. Inch'Allah. Et tu sais ce qu'on peut faire, Myriam, toute la journée, on peut faire des invocations pour les malades. Donc n'hésite pas, Myriam, fais une invocation. Tout le monde va dire Amin, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder. Qu'Allah guérisse tous les malades et que tout le monde Amin. Puisse faire le jeûne. Amin. Ok, bon, on va préparer la table, les amis, et on va manger. Allah, ça passe pas d'être chaud dans le monde, bismillah. Le mois du partage, tu me passes un petit peu? Alhamdulillah, Myriam, me tape pas sur les nerfs, s'il te plaît. Viens, on reste bien, c'est le ramadan. Super. Le mois du partage. Wesh, qu'est-ce que tu fais là? Un aspirateur. Doucement, moi, juste 2-3 gorgées. Je peux pas avoir 2-3 gorgées, je dois avoir toute la moitié de la bouteille. Ta moitié d'un coup. Je suis obligé. Un peu de gazouze, limonade. Tiens, parce que là, ça la fissionne. Et laissez passer. Très bien, faites-vous plaisir. Donc, je présente Yassine, il a du quinoa avec des tranches de beurre de cacahuète en dessert. C'est pas cacahuète, c'est amandes et pistaches. Ensuite, on a des légumes pour ma part, de la viande, une omelette. Ici, on a des feuilles de briques. Et Myriam, elle a une big pizza. Avec du citron. Arrête, je tiens à dire que moi, mon repas, vous allez dire, Yassine, tu manges que ça? Bien, moi, mon vrai repas, c'est à minuit. À minuit, là, Inch'Allah, ça va être mon vrai repas où il y aura. Est-ce qu'on va filmer une soupe? Comme si c'était mon repas de 17h. Ça, c'est mon repas de midi, en fait. Bismillah. Voilà. Je commence par les compléments alimentaires. Est-ce qu'on va filmer ou pas à minuit? Non. On va pas filmer à minuit. Micro. À minuit, on dort. Même des légumes, c'est bon quand t'as jeûné. Je pense à toutes ces personnes qui n'ont pas à manger dans le monde et que nous, des fois, on dit ah, c'est pas bon, alors qu'eux, ils rêveraient de manger ça. Tu vois, même des légumes. Et vous avez pas remarqué quand vous jeûnez et que vous prenez votre première bouchée, là, ça, genre le goût, c'est prononcé par rapport c'est, à d'habitude. C'est x3. Ouais, par rapport à d'habitude. C'est grave bon, genre. C'est incroyable. Est-ce que vous savez que tous les jours du ramadan, Allah, il a franchi des gens de l'enfer. Il y a des gens, ils devaient aller en enfer. Vu qu'ils font le ramadan, Allah, il les sauve. C'est incroyable. Est-ce que vous savez comment il s'appelle le gardien de l'enfer? Malik. Malik. Est-ce que quelqu'un peut décrire Malik? Malik, c'est un ange qui désobéit jamais à Dieu et qui est super dur, super sévère. C'est-à-dire, les gens, quand ils vont lui demander « Malik, s'il te plaît, dis à Dieu qui nous fait mourir et qu'on revient plus à la vie, qu'on ce soit notre mort définitive. » Malik va dire « Non, vous êtes là, vous restez là. » Il désobéit jamais à Dieu. Donc, je souhaite vraiment que personne n'aille en enfer. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse le ramadan. Quand c'est dur, pensez à ça. On va taper la viande. Elle est bonne, ta pizza? Incroyable. Ah ouais, les feuilles de briques. Ah, mais elle a pas parlé, elle est en train de tout éclater. Les feuilles de briques, on dirait du kebab. Moi qui les a fait, maman, elle les fait trop bien. Vous avez plus envie de salé ou de sucré? Salé, trop de salé, mais après il y a un dessert, Inch'Allah. Ouais, moi aussi j'aimerais bien manger du dessert. Est-ce que si par exemple je te mets un tacos, le dessert de Cédric Grolet, tu as plus envie de quoi? Cédric Grolet. Moi tacos perso. Ah bien. Moi je flingue le tacos. Faut mettre de l'eau. Mais tu prends de la gazouze. Prends un peu de gazouze. Un peu de gazouze. Mets-moi un petit peu. Non. La limonade, un peu de gazouze. Monsieur Maximi. On va tester la recette. Maman, je t'ai fait honneur. J'ai fait une omelette algérienne. Ça vient d'Algérie ça, frites omelette. Ouais. Oui ou non? Je sais pas, pourquoi tu m'as dit ça et maintenant tu parles chinois? Ah, ça se mange avec de la mayonnaise. Fais un sandwich, tu prends ça, tu mets ça, tu manges. Ah, R! C'est dommage que vous mangez pas la soupe. R, regardez la lettre R. Essaye, fais un sandwich, tu prends ça. Là, je suis en vrai DZ. Quand je vais en Algérie, Inch'Allah, je suis sûr que je mange ça. Essaye. Mais quoi? Tu prends un bout de ça, tu mets dans ça et tu manges. C'est ton plaisir. Avec de la salade aussi. Allez, c'est ton plaisir. Tu as kiffé. On prend ça, ouais. On prend ça. Ouais, de la salade un peu. On prend ça. Salade méchouilla. Et là tu goûtes. Là ça c'est incroyable ça. Voilà, ça c'est pas mal. De toute façon quand tu manges avec les mains. Tu veux une part ou pas? Non, je veux pas de pizza. Et tu me passes? Je t'ai dit aujourd'hui je vais manger sain et équilibré. Laisse-moi tranquille. Goûte les feuilles de brie. Tu commences à manger une part, toi-même tu sais que je vais devoir tout manger. Tu devrais essayer de mettre un peu de ketchup sur la pizza. Sur une part tu mets un peu de ketchup et tu goûtes, tu vas voir. Tu vas me dire Yassine, merci. Écoute le grand ref. Essaye. Je te jure que c'est pas bon. Je vais te faire regretter 1000 fois. Pas trop. Dose frère, dose. Moi je suis trop pressé d'être mercredi, Inch'Allah. Parce qu'elle va tester le jeûne, on va voir si elle va assumer. Là. Oui, tu vas voir. Ça passe, mais c'est pas le. Et si tu te rentres dans le truc, c'est encore mieux. À toi, arrête. Et si ça fait à peu près 1h30 que t'as mangé, comment tu te sens? Alors là, je vous dis la vérité, ça me fait comme au tout début de ma maladie. Ça fait une machine à laver, avec des douleurs et un gros ballonnement. En gros, ça fait la même sensation que quand vous venez de manger un. Vous voyez quand vous mangez un grec, et quand vous êtes calé, et qu'après vous continuez à manger par-dessus, et ça vous fait mal au ventre. Et bah, c'est cette sensation-là qui dure pendant au moins 5-6 heures. C'est la psychiatrie. Je pense à manger la même chose, les mêmes trucs. C'est juste l'heure qui change et je sais pas, ça marche pas. Donc, du coup, normalement, je pourrais pas continuer parce que je peux pas rester comme ça un mois. Je vais pas tenir. En tout cas, la famille, je tiens à vous faire passer un message. Profitez de votre santé avant que vous la perdiez parce qu'un jour ou l'autre, ça arrivera. Profitez que vous puissiez jeûner et que vous êtes pas malade et vous puissiez faire le ramadan. Il y a un gâteau au chocolat maison. On est en train de le découper et je vais réaliser mon rêve que j'avais depuis que je suis petit. Donc là, j'ouvre en deux et là, on a de la vraie crème pâtissière de ma boulangerie au spéculoos, les amis. Qu'est-ce que tu fais encore? On va faire un panini en gâteau. Oh, regardez, c'est soyeux. Un panini en gâteau? C'est de la crème pâtissière, de la vraie. Mais what? Ça va être une masterclass, les amis.
On va tenter. Après, à la maison, peut-être vous allez faire pareil que moi. C'est pareil, vous avez le droit de recopier. La crème que t'as mise par-dessus, c'est la crème qu'il y a dans les boulangeries et tout. Oui, dans les beignets. Les Paris-Brest et tout. Oui. Vas-y, goûte. Peut-être c'est de la crème claquée. Hein. Non, c'est pas de la crème claquée normalement. Et t'as fait un sandwich de crème. Comme un sandwich, frère. La bonne crème, smelé. Avec du chocolat chaud. Tu vas où? J'arrive. Wesh. Mais tu vas où? Mais qu'est-ce que tu fais? J'arrive. Mais Younes, tu vas où? C'est si bon que ça? Mais qu'est-ce qu'il fait, les gars? Ça va marrer comme. Ouais, à ce point-là? J'ai mangé un gâteau, c'est un truc de malade. Il parle avec un arbre, les gars. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il a, Yacine, sachez qu'un jour, je sais pas pourquoi, mais on s'était entre guillemets embrouillé. En gros, à chaque fois, je disais, allez, Yacine, dépêche-toi. Il me disait, tu vois, j'ai trop mal, je peux pas. Et je lui disais, c'est rien ce que t'as, c'est rien. Et il a dit, ya Allah, fait Younes. Il a la même chose que moi, juste une journée. Et je vous promets, la famille, que j'ai eu le lendemain ou juste après, j'ai eu. En fait, dans ton ventre, c'est comme une machine à laver, ça tourne. Ça fait brrr, et c'est insupportable. Depuis ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, c'est une dinguerie ce qu'il ressent. Donc, la famille, n'hésitez pas à faire un maximum de prières pour tous les malades, car là, guérisse tous les malades. Nous, on va vous laisser là. Mettez un gros like, abonnez-vous. Et mercredi, je dis bien mercredi à partir de 12h40, il y aura une vidéo, une série de vidéos spéciales qui va arriver. Vous allez voir, on va changer de pays. Soyez là mercredi, ça va être une énorme vidéo, Inch'Allah. Allez, salut.